Aloha tout le monde pour ce tirage conseil universel. Écoutez les vibrations, les mots qui vous parlent, qui vous font parler à votre enfant intérieur pour vous guider en ce jour. Je suis pour, déjà, je voulais vous remercier voilà, d'avoir pris de mes nouvelles et d'avoir été très très patient. Tout le mois de novembre, ça a été un arrêt forcé. C'était obligatoire parce que voilà, j'avais un gros souci au niveau du bras droit. Donc je ne pouvais même plus tenir mes cartes, etc. J'avais absolument plus d'énergie. Donc voilà. Donc j'ai pas voulu faire pour faire. Et de toute façon, j'ai eu une grande pancarte en me disant stop, arrête, prends, voilà. Guéri et après ça ira mieux, donc du coup j'ai été obligée. Ça a été très très dur pour moi, mais je me suis rendu compte aussi que eh ben, que les cartes étaient dans ma vie, que la cartomancie était dans ma vie, que le développement spirituel était dans ma vie et que j'avais beaucoup de mal à m'en passer en fait. Donc du coup je vous avoue quand tu peux pas faire de tirage et ben tu voyages sur internet, tu découvres des jeux. Donc j'aurai quelques présentations de jeux à vous faire. Donc voilà. Donc j'ai un peu cassé ma tirelire mais je suis très contente quand même de la des achats que j'ai fait. Enfin, alors, j'ai pris pour la guidance l'oracle du soleil. C'est le même, vous allez voir, les cartes se ressemblent. C'est le même auteur que l'œil de Lotus. Après, je trouve que les images, les couleurs, les nombres et tout sont, enfin voilà, interpellent des fois aussi. L'image et voilà pour faire un tirage universel je trouve que c'est sympa, je changerai peut-être hein, vous inquiétez pas voilà et il n'y aura pas la carte du jour à la avec le tirage je vous la présenterai juste et j'ai fait une autre vidéo parce que voilà sinon c'était hyper long, c'était galère voilà. Donc voilà, la chaîne évolue tranquillement. Voilà, je me laisse porter en fait un petit peu. Donc voilà, et voilà, les je pense que voilà, l'année prochaine, je serai plus pour faire des lives, etc. Des tirages. Je vais reprendre mes guidances. Donc voilà, t'as. On va boucler la boucle. On va trouver cette espèce d'équilibre et d'harmonie qu'on cherche un petit peu. Donc, pour aujourd'hui, parlons peu, mais parlons bien. La dominante, c'est la connaissance. Alors, là, hop. La connaissance, hein, c'est la diversité, c'est l'intelligence. On vous demande de développer vos connaissances aujourd'hui, d'approfondir nos choix. De partager, d'avoir une ouverture d'esprit, d'enseigner ou de recevoir de l'enseignement, de maîtriser en fait, voilà, de maîtriser et d'étudier ou permettre aux gens d'étudier. Ensuite, j'ai fait un tirage 5 cartes. Donc la première carte, c'est la carte du guide avec la statue de la liberté. Là, on vous demande, on vous conseille aujourd'hui d'agir avec force et douceur, en fait. D'accompagner, voilà, on va éclairer votre chemin. Ou vous allez éclairer le chemin de quelqu'un. En fait, on demande aussi la liberté de choix, encore une fois, le partage. Se soutenir les uns les autres et on est surtout on est le premier guide c'est vous-même votre guide c'est vous avec votre avec vos inspirations vos créations donc voilà on va vous montrer le chemin on va éclairer en fait
La carte numéro 2, c'est la carte de l'amour. Alors là, l'amour, c'est deux encore, c'est marrant. Là, l'amour, c'est l'équilibre, hein. Il y a beaucoup de protection aujourd'hui. On accepte naturellement les choses dans le respect. On s'adapte. On parle d'éducation avec l'énergie de l'amour. Donc voilà, le guide sera quelque chose vraiment de positif et relationnel sur ce chemin-là. Et ensuite, j'ai la sérénité. Donc aussi, amour, sérénité, bah oui, notre relation amoureuse aujourd'hui va vraiment être sereine malgré nos différences parce que, ouais, hein, l'Olivier, il a quand même un vécu. Hein, on le voit quand même, il y a des nœuds, il n'est pas. Voilà, mais il y a la colombe qui se pose sur cet Olivier. Donc, il y a une espèce de sérénité. C'est un signe de justice aussi. Hein. Donc, de force, d'accomplissement. Donc, voilà. Disons que les relations amoureuses, si on en a aujourd'hui, il va y avoir une harmonie, un équilibre, en fait. C'est la paix retrouvée, c'est s'adapter, c'est trouver le juste équilibre, cette espèce de sérénité, grâce peut-être à nos connaissances, à notre diversité, à notre partage, à s'exprimer, à communiquer avec les autres et toujours dans cet esprit. Ensuite, la carte numéro 4, c'est la carte de la communication et des échanges. Donc là, on parle d'échanges commerciaux, hein. Donc voilà, ça va être assez facile, peut-être voyager pour certains. On parle encore d'entraide, hein. Donc vous voyez, on a le guide, on a l'amour, on a l'échange. Donc vraiment, c'est une notion d'entraide, de solidarité, de soutien, de liberté. La liberté est très présente dans ce tirage aujourd'hui. Et peut-être grâce à nos connaissances, peut-être une nouvelle définition de la liberté personnelle, du libre arbitre, voilà, voir comment évoluent les choses. Donc il y a une notion pour certaines personnes de voyager. Et ça représente aussi le commerce. Donc il y a quand même une notion de mouvement, de déplacement aujourd'hui pour certaines personnes, bien sûr, parce que ça reste un tirage universel. Et la dernière carte, c'est la carte de l'aide. C'est l'espoir. J'ai les capacités de surfer, de passer au-dessus de la vague. J'ai les capacités d'attraper cette bouée pour qu'on m'aide. Donc, vous voyez la première et la dernière carte quand même du jeu. Guide, aider. Donc, est-ce que vous serez le guide aujourd'hui de quelqu'un pour l'aider à surmonter les difficultés, ou est-ce que quelqu'un vous aidera à avoir la force de passer au-dessus en fait des choses, voilà, à avancer. Là, voilà, c'est grâce à nos connaissances, à nos guides, au partage, à l'amour et à cette espèce de sérénité qui va s'installer aujourd'hui qu'on va pouvoir avancer. En fait, on nous demande aussi peut-être de se laisser porter par nos guides, par cet esprit de liberté qu'il y a aujourd'hui. Et ouais, laissez-vous guider avec foi et confiance. Et la confiance en soi, je vais rattraper. Ah, parce que elle est là-bas. Hop! Parce que j'ai tiré la carte l'oracle des rebelles sacrés. La carte qui est sortie, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi permet d'avancer en toute liberté et d'accueillir aussi toutes les guidances et toutes les aides que l'on peut avoir. Donc voilà pour cette
ce tirage, pardon, ce tirage conseil de ce jour. Je vous souhaite une très très bonne journée avec plein d'énergie haute, plein de petits bonheurs dans vos vies. Donc aujourd'hui, ayez confiance en vous, en vos connaissances, pour ouais, vous laisser guider et porter par votre foi et votre confiance. Là, franchement, en plus, il y a la carte de l'amour. Du mouvement de l'échange. Donc il y a peut-être quelque chose de commercial aussi qui va professionnellement arriver. Mais comme il y a la carte de l'amour, c'est vraiment quelque chose de positif en fait. Voilà, l'énergie, si c'est fait avec l'énergie de l'amour, nos attentions, nos pensées, voilà, ça sera qu'un impact très positif dans nos vies. Donc voilà pour la vidéo de ce jour. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très très fort. Et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.